déjà. Ça a l'air très bon. Oui. Donc on a une entrée, je présume, ça fait une entrée. Une entrée aussi. Entrée aussi. Il y a des pâtes, je vois des tomates, des carottes, ça va, c'est bien. Il y a un dessert. Bon alors je présume que tout le dessus je vais te le donner parce que. C'est bon. Bon, donc je suis content, c'est moi qui reprends avec ma belle et sublime voix. Oui, oui, si, si, sublime et tout ce que vous voulez, même s'il n'y a pas de soleil, on va dire tout de même que ma voix est sublime et qu'elle apporte justement des rayons lumineux pour vous. Parlons un petit peu entre nous de ce qui s'est passé au cloître au livre. Alors, je rappelle que tout ce qui s'est passé au cloître reste au cloître. Il y a certaines petites choses, effectivement, que je ne dirai pas. Ça restera entre nous, ne vous inquiétez pas. Les personnes, justement, qui seront concernées comprendront. Hein. Genre, le café, l'évier était nickel après notre départ.
Donc c'était bien. Après, les cigarettes russes, on peut faire pas mal de choses avec les cigarettes russes. Enfin bref, passons. Je disais donc, j'ai eu la chance de croiser Jérôme Sort. J'avais vu un de ses ouvrages en fait passer un jour sur Insta. Et en le voyant, sur le coup, je me suis dit, attends, mais ça veut dire qu'il est dans le coin cet auteur? Oui, dans le coin Bourgogne-Franche-Comté, et comme quoi. Et en plus, c'est marqué sur sa bio, sur ses livres d'ailleurs aussi, c'est indiqué qu'il est né à la maternité de Vesoul, dans le 70. Et là, alors effectivement, pour ceux qui ne savent pas, parce que bah, c'est plutôt un private joke familial, en fait, ceux et celles qui sont nés à Vesoul, souvent on disait, putain, ils ont vraiment pas de bol, etc. Sauf que pour Jérôme Sort, c'est une chance, visiblement. En plus, je me moque pas du tout, hein, c'est un clin d'œil peut-être aussi du destin. Donc voici justement les ouvrages qu'il a sortis. J'ai récupéré ça hein, sur Babelio, si jamais, par exemple, vous ne voyez pas assez bien sur son stand. Et comme toujours et comme d'habitude, pour absolument tous les exposants et exposantes qui étaient là, il y a des petits liens dans les sources pour pouvoir les retrouver. Ouais, alors c'est vrai que je l'ai peut-être pas forcément dit, mais c'est du fantastique, hein. Il y a pas mal d'imaginaire, il y a peut-être pas que ça, en tout cas, qui fait. Et voilà, il y a un petit peu le petit côté, je sais pas, j'aime bien en fait. Ce qui ressort au niveau de ses couvertures, et les couvertures, moi, j'y trouve vraiment magnifiques. Et à côté de lui, il y avait Juliette Cazès. En fait, je pense que j'aurais dû demander comment on prononçait. Hein. Que vous connaissez peut-être sous le nom Le Bizarrium, parce que voici sa chaîne YouTube. C'est drôle parce que alors, je la suivais sur YouTube, je la suivais aussi évidemment sur Twitter, enfin X. Et franchement, mais j'adorais ce qu'elle mettait, je suivais en plus très souvent les posts, les trades et tout ça. Et je suis mais complètement passée à côté du fait qu'elle avait sorti des livres. Ouais, ouais, moi justement dans la communauté Lité et tout ça, j'ai zappé que Le Bizarrium avait écrit des livres. Après, faut quand même que je vous avoue que quand j'ai vu le nom, au niveau des exposants et exposantes, j'ai eu un petit doute. Et je suis même pas allée vérifier, j'ai même pas eu le temps d'aller vérifier, j'aurais dû me dire, mais voilà. Voici un petit florilège de ses ouvrages, Histoire funèbre, Momie, et il y a le petit dernier, Cabinet de curiosité, et un autre qui sortira en 2024. Je vais pas avoir assez de sous pour pouvoir acheter tout ça. Non mais c'est sûr que forcément, voilà, il va me les falloir. Faut savoir que j'ai hésité en plus à lui acheter un livre, et après je me suis dit non par rapport au cloître. Peut-être parce qu'elle va croire, ouais mais bon tu fais juste ça parce que voilà, tu me suis, etc. et tout. Après, peut-être qu'elle va se sentir redevable et tout ça, ouais je sais, je suis quelqu'un qui se pose pas mal de questions, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, quelqu'un aussi qui est atteint du syndrome de l'imposteur, tout ça. Donc j'arrête pas de me dire, non mais en fait si ça se trouve je fais ça, puis les gens ils vont se sentir obligés, obligés d'eux, alors que je me doute bien que c'est peut-être pas ça du tout. Donc voilà, j'ai toujours, on va dire, une petite hésitation, je me dis, mais en fait si ça se trouve la personne elle va pas se dire, ah oui justement elle est là pour mes livres, pour ceci et cela, donc j'ai pas fait. Mais bref, j'ai dit à Léo, mais c'est pas grave, j'achèterai ça en catimini. Un moment, personne me verra. Bon, j'aurais pas de dédicace, effectivement, ça c'est sûr, j'aurais pas la dédicace de Juliette, c'est bien, bien dommage. D'ailleurs, au passage, et c'est vrai que je ne lui ai pas dit, puis peut-être qu'elle verra jamais cette vidéo, donc c'est pas grave, je peux le dire là. Elle porte le même prénom que l'une de mes sœurs. Voilà, Juliette. En tout cas, on a pu faire une photo, donc vraiment, merci beaucoup. Oui, j'étais un petit peu impressionnée, parce que moi, ça m'impressionne toujours quand je croise des gens, même en plus d'ailleurs qui me suivent, parce qu'elle me suit sur YouTube. Je me sens très honorée, en fait, parce que, bah voilà, je sais que pour les gens, c'est peut-être pas grand-chose juste de suivre, voilà, hein, c'est sûr. Mais en fait, pour moi, ça fait beaucoup. Vous n'imaginez pas, en fait, à quel point. Je dis beaucoup trop de, en fait, ouais, c'est un petit peu trop long, en plus. Voilà, ça m'a fait en tout cas super plaisir de la rencontrer, et de rencontrer aussi Jérôme, que c'est vrai que je sais pas, je vais pas dire que j'ai eu une étincelle parce que les gens vont se dire oh là là, elle a eu un coup de foudre, c'est absolument pas ça, mais je me sentais bien en fait au niveau de leur stand. Voilà. C'est du feeling comme ça, je me sentais bien.
mayonnaise. Ainsi donc, il nous a été demandé ce matin de piocher. Piocher quoi, piocher qui, ça c'est une autre affaire. Et ensuite de créer un texte. Voici le mien, bande de malheureux. T'as commencé ou pas là? Non. D'accord. C'était le préambule, mon petit. C'est pour les domaines. Est-ce que c'est enregistré? Non. Alors, est-ce que du coup, là, on m'entend? Là, c'est bon, on m'entend. Donc, je vous rassure, c'est très très court, donc la torture ne durera pas très longtemps. Alors, on m'a donné donc comme mot Edgar poétique, donc mot valise, hein, digne des histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Et ensuite, et machin, patin, couffin, pour etc. Connaissez-vous donc l'histoire de Marie, la tardigrade venue d'ailleurs, qui voulait s'installer sur Terre? Son récit, Edgar poétique, même s'il n'y a rien de poétique, est incroyable et nous transporte dans une dimension peu connue par les êtres humains. Celle dans laquelle vivent des petites créatures, celle dans laquelle grouille la vie. Une vie que l'on ne peut pas forcément voir. Microscopiques, ils sont beaux, ingénieux, résistants, ouais, et machin patin couffin. Cessons la répétition et profitons de cet instant ensemble. Merci beaucoup. J'ai pris un plaid aussi, on sait jamais. J'ai vraiment trop froid.
Le désespoir. Et coucou et bienvenue en ce magnifique petit dimedi 10 septembre au salon du livre Le Cloître au Livre à Chalon-sur-Saône. Sachez que je partage ma magnifique petite table avec une personne incroyable qui partage aussi du coup sa table, à savoir Mary Freeborn, qui a un super ouvrage justement science-fiction, même si on peut dire qu'il y a un petit côté assez réaliste. Robot touristique, je vais te laisser en parler. Exactement. Alors, science-fiction, mais finalement réaliste. Pourquoi ? Parce que finalement, voilà, c'est un monde utopique et même dystopique. Hein, ça va dépendre de quel point de vue on le voit, mais qui raconte, enfin, voilà, qui reprend en fait le monde actuel dans un monde, voilà, en 2036, et les robots prennent le pouvoir sur les hommes. Et à partir de là, je critique en fait un peu l'intelligence artificielle. Alors critiquer dans un sens, mais aussi c'est de montrer des limites, de pouvoir aussi en fait montrer l'autodestruction de l'humain. Et bien sûr, il y a d'autres thèmes qui se greffent, hein, comme le féminisme ou l'environnement. Voilà. Et bien sûr, sachez qu'elle n'a pas écrit que ça, puisqu'elle est aussi en train de préparer un magnifique petit recueil de nouvelles et peut-être aussi plein d'autres choses. Donc il ne faudra pas hésiter à la suivre et je mettrai comme d'habitude les petites coordonnées et tous les liens des réseaux sociaux en dessous. Coucou. Là c'est pour vous montrer effectivement deux stands en un, deux stands sur une table. Sachez que c'est possible. Sachez aussi qu'à la base on ne pouvait pas apparemment apporter de nappe, mais vu que je ne fais jamais rien comme tout le monde, j'ai quand même posé ma nappe. Voilà, parce que je suis une rebelle, je sais tout de même. On a effectivement des bons, on avait des magnifiques petits ouvrages. Vous avez le côté science-fiction avec mais oui, et vous avez de l'autre côté mes ouvrages. On sait qu'il n'y a pas tout, mais on va dire qu'il y a au moins, bien sûr, les cloches au même moment parce que c'est génial. Mais attendre peut-être que les cloches finissent en fait. Ouais. Voilà, plutôt. Et donc nous avons de l'autre côté la Dark Fantasy avec la saga La Machine du Destin que vous commencez quand même un petit peu à connaître maintenant. Si c'est pas le cas, bah, il va falloir effectivement rattraper votre retard. Avec le roman Feel Good, cette fois-ci, oui, aujourd'hui je l'ai mis de l'autre côté, je contrôle la situation, le roman jeunesse, La Malédiction de Cholva. Et comme toujours, puisque bah, je suis quelqu'un justement qui adore les marque-pages, vous avez plein de marque-pages. Sachant que question organisation, on a du thé et du café à volonté, sachant que le thé et le café vient d'un comptoir des cafés à Chalon. Bien sûr, je n'ai pas récupéré la petite affichette que je voulais récupérer. Attends, coupe deux secondes, j'arrive. Et donc, je reprends ce que je disais il y a exactement 5 minutes. Sachez qu'on a du thé et du café à volonté. Et ça vient justement de thé et comptoir café à Chalon-sur-Saône. Apparemment, c'est pas mal bon. Moi, je ne bois pas de café, mais ceux et celles qui boivent du café, vraisemblablement, ça va, on ne les a pas trop intoxiqués puisqu'ils sont encore en vie. Et après, eh bien, ce sera le plateau repas que vous découvrirez ce midi. Je décroche. Alors, ça m'a l'air, écoute, pas mal du tout. Mmh. Un petit peu différent d'hier. Ah. Hop. Oula. Une petite feuille de salade. Ça aussi, tu veux Bah oui, parce qu'il y avait de l'épluie, on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Et je vais refermer après parce que. Et ça, un dessert, de toute façon. Alors le dessert, j'ai peur que ce soit encore quelque chose que j'aime pas.
bilan, c'est reparti effectivement pour le blabla. Alors, catastrophique en termes de vente. Non mais catastrophique, hein. Zéro le samedi, donc samedi chez les tardigrades, zéro, voilà, la bulle complète. C'est la première fois que dans un salon, dans des séances de dédicace, je faisais zéro. Parce que j'ai toujours fait, on va dire, quelques petites ventes, même à Saint-Martin-d'Hères, où ça avait été catastrophique, hein. Fifiche le vlog au niveau de Saint-Martin-d'Hères, où il y avait eu que quelques personnes qui étaient rentrées, et j'avais quand même fait quelques ventes. Bah là non, la bulle le samedi, et trois ventes le dimdi, donc bon, assez catastrophique. Hein. Après, si on pose la question, est-ce que je suis rentrée dans mes frais, alors bah au niveau des déplacements, non, parce que question autoroute, péage et tout ça, non, même par rapport au repas du midi que j'ai payé à Léo. Mais c'est vrai que parce que j'étais invitée, pas de stand à payer, pas le plateau repas à payer, il y avait du thé, café, gâteau, etc. à volonté, et en plus c'était quand même extrêmement bon, donc je vais dire ça limite quand même un petit peu. Après c'est vrai que quand j'ai vu le peu de personnes, même le dimdi, parce que bon, il y avait personne, oui et non, en fait il y avait des touristes, hein. Il y avait des touristes étrangers. Bon, ma voisine a réussi à vendre à des Belges, je crois que c'était des Belges flamands, un de ses ouvrages, donc déjà bravo, parce qu'alors moi, que dalle, bon déjà je parle pas vraiment un mot anglais, donc c'est déjà un petit peu compliqué. Mais alors le dimdi, il y avait un peu plus de monde, un peu plus d'ailleurs de famille, mais le problème c'est que les gens déjà ils avaient chaud, et en plus des fois il y a des gens, mais comment dire, ils avaient vraiment un objectif et hop ils fonçaient, soit ils étaient pas du tout dans l'optique d'acheter des ouvrages, ou alors parce qu'ils étaient en famille, ils cherchaient plutôt, mais même pas d'ailleurs, des livres pour enfants ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai un livre pour enfants, hein, La Malédiction de Cholva, mais plus on va dire des, je vais pas dire des carnets de vacances, mais c'était plus voilà des livres jeux, ou alors au contraire des livres sur la région vraiment précisément. Bah donc forcément moi j'avais pas ça. Ma voisine en tout cas, Léa Chailloux, de l'autre côté, oui je vous présente effectivement Léa, oui elle avait effectivement de quoi les satisfaire. En plus ses comptes sont géniaux, je ne les ai pas encore lus, je crois qu'ils sont dans ma wishlist, hein, si je dis pas de bêtises. Je crois pas qu'il y a un de ses ouvrages qui est dans ma palle, peut-être pas encore, mais faut peut-être que je vérifie, parce que c'est vrai que j'adore justement ce qu'elle écrit. C'est peut-être possible qu'un jour faudrait quand même que je vérifie avant de dire des bêtises, mais en tout cas lisez-la. Bref, et puis après, sinon, bah après, il y avait aussi des personnes qui ne voulaient pas forcément être là, ou qui étaient là justement pour avoir les réponses au concours de nouvelles, que non, je n'ai pas gagné. Bah tant pis, après, félicitations au gagnant et à la gagnante, puisque le prix, je crois que ça s'appelle le prix de l'étranger, a été justement remporté par une Allemande. Donc, vraiment, bravo à vous. Après, autre chose, c'est assez bizarre, parce que dans mon cas, donc je suis autrice hybride, beaucoup de personnes, j'ai l'impression qu'ils étaient complètement paumés et qu'ils confondent tout. Par exemple, il y en a beaucoup qui étaient là pour les livres indépendants, mais genre vraiment vraiment indépendants, ou alors les livres maison d'édition. Mais alors les personnes qui comme moi avaient deux statuts, j'ai l'impression que ça les perdait complet. Par exemple, ça c'est ma petite pique personnelle, hein, pardon effectivement, mais je ne vous en veux absolument pas, hein, mes chers camarades, mes collègues et tout ça, mais... des fois vous diffusez un petit peu de fausses informations, des fake news, hein, comme on dit, auprès des gens, et j'entends des choses. Et bah, j'entends des fois des petites choses qui m'agacent, parce que forcément après les gens ils arrivent sur mon stand, et ils comprennent plus, parce que par rapport à ce qu'ils ont entendu avant, précédemment, ça ne va pas. Je vais donner, on va dire, un petit exemple. Il y a une personne qui m'a demandé combien j'avais payé pour être édité en saisissant justement le bouquin de Cholva. Alors j'ai répondu, ah non, mais alors Cholva, c'est en auto-édition, je suis passée par Amazon, mais il faut savoir que je ne passe pas que par Amazon. Je suis aussi passée pour Je contrôle la situation par Bookelist, parce que justement, je voulais tester une plateforme française avec un système de distribution par Hachette. Ça aussi, c'est possible. Bon déjà là, la personne je l'ai perdue, parce que pour elle Hachette c'est maison d'édition, c'est un grand truc Hachette, etc. Donc dès qu'on parle de distribution Hachette, ah bon, ben oui vous pouvez commander Je contrôle la situation en librairie, mais vous n'avez pas d'éditeur. Alors je suis justement éditrice parce que je suis en auto-édition. Et quand après je lui ai expliqué, alors sachez tout de même qu'il y a deux formes de maisons d'édition, les maisons d'édition à compte d'auteur, les maisons d'édition à compte d'éditeur, et je lui ai expliqué que non, même quand je suis éditée dans des maisons d'édition, je ne débourse pas un centime. Et là, elle m'a sorti, ah bah si, on m'a dit avant que pour être édité, il fallait mettre la main à la poche. Alors, quel mode d'édition ? Oui, les maisons d'édition à compte d'auteur, je le rappelle, vous demandent de l'argent pour être édité. Faut vraiment, voilà, faut payer. D'autres aussi vous demandent d'acheter un stock d'ouvrages, alors qu'une vraie maison d'édition à compte d'éditeur vous prête un stock justement, ne vous le vend pas.
etc. Après, l'auto-édition, oui, ça coûte cher, que ce soit en temps, un investissement, correction, maquettage, etc. D'ailleurs, il y a une exposante qui l'expose très bien dans son petit livret. Je vais chercher ce livret, j'arrive. A few moments later. Voilà, je suis de retour. Et en plus, comme ça, j'essaierai de bien m'appliquer pour la prononciation. Il s'agit de Farah Dweeby, et qui a écrit donc un conte du royaume enchanté de sagesse, le bâtisseur ou le bâtisseur qui ne savait pas dire non. En plus, elle nous a fourni justement un petit livret justement avec un extrait très très sympa. Déjà, c'est très très sympa parce que justement, ça renseigne beaucoup. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est un petit peu plus loin, à savoir vers la fin, où justement, elle parle des dessous de la création. Alors, je sais que vous, puisque vous allez la voir à l'envers, je prendrai peut-être, soit je filmerai, soit je prendrai peut-être des photos, ou aussi, vous pourrez peut-être aller voir de vous-même. Mais elle parle de l'écriture, ça d'accord. Elle parle aussi de la correction, avec le fait qu'elle est passée par un correcteur professionnel, justement, Scriminfo. Et l'air de rien, elle parle aussi donc de bêta lecture collective. Et en plus, elle montre un exemple de bêta lecture. Alors je sais que vous ne le verrez pas à l'endroit, mais c'est pas forcément très très grave. C'est juste en fait pour vous montrer, et je confirme que ça, c'est-à-dire avec justement du rouge, avec pas mal aussi de petites remarques, même si pour ma part, vu que je le fais sur Word, c'est en marge, hein, c'est pas directement sur votre texte, quoi que ce soit. C'est ça une vraie bêta lecture. C'est pas juste ah ouais, en fait ce que t'as écrit c'est génial, ou au chapitre 3, ouais c'est bien, rien à signaler, c'est parfait. Non, une bêta lecture c'est vraiment justement une lecture critique de ce que vous faites. Alors parfois ça peut être très bien, il y a par exemple des fois des paragraphes que je lis et je le dis, franchement c'est bien, des fois je mets des petits cœurs, des fois je mets très beau passage, c'est bien écrit, il y a bien les émotions on va dire. Et puis bah, parfois c'est des petites choses à retravailler. Donc elle explique ça mais très très bien. Après l'illustration justement qui illustre le texte, c'est pas rien puisque justement son ouvrage est illustré. Il y a quelques petites images justement là qui sont bien. En plus, comme elle le dit, je décidais de faire une illustration par paragraphe, totalisant 42 illustrations, afin de permettre une lecture graphique au plus petit. Presque tous les paragraphes présentant une unité d'action de lieu et de temps. 8 à 10 mois furent nécessaires, mais c'est pas tout. Car justement, après, elle parle de la mise en page, puisque l'air de rien, hein, les gens tendent à oublier, c'est très important la mise en page. Et ça aussi, je le dis souvent dans mes vidéos, ne négligez pas la mise en page. Vous n'imaginez même pas à quel point ça peut mettre vos idées en valeur, vos illustrations en valeur. Si vous mettez un pavé, par exemple, avec plein de lignes noires sur fond blanc, ça fera pas du tout la même chose que s'il y a une illustration qui met en valeur telle ou telle phrase, telle ou telle action, etc. L'impression, l'intérieur du livre, les 136 pages, la couverture du livre, à doré, à chaud. Et ouais, en plus, justement, elle voulait une impression française. Donc je vous laisse imaginer, tout ça pour façonner donc 2000 exemplaires. À la fin évidemment ça fait un livre bien, bien épais et super joli. Et tout ça, bah ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Donc là j'étais pour le coup mais très très satisfaite qu'elle indique justement ça, qu'elle indique peut-être aussi aux gens, c'est pas si facile que ça en fait. Il y a des mois qui furent nécessaires et pour certains même des années. Parce que je vous rappelle aussi, en auto-édition, on est éditeur, éditrice et on fait absolument tout. Même si on s'entoure effectivement de personnes, on peut très bien déléguer, mais c'est à nous que revient la décision finale. Donc ça voilà, c'était Farah Dweeby. Ne vous inquiétez pas, hein, je mettrai hein, comme d'habitude les liens justement dans la description. Je pense qu'on peut la trouver un petit peu partout, même sur Twitter, enfin X maintenant, puisqu'effectivement je la suis là-bas. Et sachez aussi que je suis maintenant désormais sur le ciel bleu, puisqu'on m'a filé un petit code. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas, puisqu'on redémarre tous de zéro. Bref, pour en revenir effectivement à tout ça, faites attention quand vous renseignez les personnes, puisque bah après forcément elles arrivent vers moi, et elles se rendent compte, ben, c'est pas forcément les bonnes informations, mais très souvent les gens en fait refusent mon témoignage. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je parais un peu excentrique, je parais peut-être pas très sérieuse. Mais tout de suite c'est ouais mais non, hein, la dame là-bas elle m'a dit que, etc. D'accord, mais la dame là-bas elle a peut-être pu se tromper en fait. Voilà. Non parce que alors pareil, hein, pour mon statut d'hybride, j'ai quand même eu des. Mais vous faites comment avec vos maisons d'édition? Vous auto-éditez clandestinement? Absolument pas, j'ai totalement. C'est moi qui garde les droits hein, sur mes œuvres. Pareil par rapport aux contrats, par rapport aux durées des contrats. Non mais je dirais rien, mais il y a quand même quelqu'un qui m'a dit ah non, mais moi je refuse d'aller en maison d'édition parce que bon, signer pour 99 ans, non merci. En fait, ça normalement c'est. Pour pas signer, effectivement, un contrat de 99 ans, je ne signe pas. Et quand je leur annonce, ben non, non, moi mes contrats c'est souvent 4 ou 5 ans, des fois c'est peut-être même moins, je vois des yeux mais écarquillés. Waouh! Oui, vraiment, renseignez-vous. D'ailleurs, ma chaîne est là pour ça.
Bref, sinon, passons au bilan social. Le bilan social, excellent, bien sûr. Mary Freeborn, très très belle rencontre. Nouvelle amie. Oui, j'ose dire, amie. Ça, c'est pas une connaissance. Je ne peux pas dire une connaissance. On a quand même passé 2 jours ensemble et tout ça. Alors peut-être que pour elle, je serais juste une connaissance. Mais en tout cas, pour moi, c'est une amie. Voilà. Les gens m'ont même cru qu'on était copines depuis des années. Non, mais en fait, vous vous connaissez, c'est pas possible. Non, non, on se connaît depuis samedi matin, 8h. 9h même, parce que 8h, voilà, c'était plutôt 9h. Il y a des rencontres comme ça fait des étincelles. Voilà. On dégage une énergie, une joie de vivre communicative, je pense. Donc forcément, beaucoup se disaient, c'est animé là-bas. Ouais, sur nos stands. Franchement, on a passé un agréable moment au plan social. C'est vrai que, voilà. Bon, j'ai quand même aussi pu rencontrer le maire de Chalon-sur-Saône. Je ne dirai rien ici. J'ai rencontré le maire de Chalon-sur-Saône. Voilà, point. On passe à autre chose. Franchement, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et ne vous inquiétez pas, justement, j'en parlais juste après. Mais merci à Nicolas, aux organisateurs, aux organisatrices, aux bénévoles, aux sponsors aussi, également. Comme je l'ai dit aussi dans le vlog, c'est Comptoir Thé Café à Chalon-sur-Saône. Parce que alors, franchement, bon, j'ai goûté que les thés, mais les personnes qui ont goûté les cafés étaient très satisfaites. Donc merci beaucoup. Je vais donc ressortir mon classeur. Vous savez, mon super petit classeur qui m'accompagne partout. Parce que comme vous le savez, à chaque salon, alors je l'avais pas mis comme ça pour les optimales, mais je me dis que ce serait peut-être bien de le mettre, parce que de toute façon, là, c'est ma vidéo, entre guillemets, c'est moi qui fais le montage. Donc ouais, si c'est mal fait, vous pouvez effectivement m'accuser de tout ce que vous voulez. Donc déjà, première petite chose, ma super petite étiquette. C'est simple, il n'y a qu'une étiquette qui a pris l'eau. Eh bien, c'est la mienne! Voilà, au niveau du cloître. Non, mais c'est la mienne, c'est tout. Et en plus, j'aurais dû quand même me méfier, puisque le lendemain, il y a eu un dégât des eaux. Voilà, dégât des eaux, un carton complètement trempé qui était sous la table. Heureusement, je vais pas dire que j'avais prévu, parce que je fais souvent ça. En fait, au fond de mes cartons, je mets souvent du papier bulle. Je mets souvent du papier bulle assez épais. À la base, en fait, pour que les livres, si jamais le carton s'effondre, enfin, si jamais le carton, en fait, s'ouvre par en dessous, bah, comme ça, je me dis, au pire des cas, le papier bulle tombe d'abord avec les livres pour éviter qu'ils soient abîmés. Eh bien, j'ai bien fait, puisque le papier bulle était complètement trempé, c'était moite et tout, c'était affreux. Les livres n'ont pas trop pris. En revanche, tous les petits papiers pour My Enemy My Lover étaient inutilisables parce que ça avait bavé, l'encre avait complètement bavé. Il y a des couvertures de mes livres qui du coup sont, je sais pas ce que je vais en faire, peut-être que je les braderai parce que malheureusement c'est gondolé. On voit que ça a pris l'humidité en fait. Pourtant c'était recouvert, hein. Je tiens à le dire, mon stand était recouvert, l'humidité est passée à travers le tissu, je vois que ça. Parce que vu que c'est un tissu que j'ai en nappe, c'est pas quelque chose en plastique ou en synthétique. Bah, peut-être que c'est passé à travers, mais du coup oui, les couvertures sont plus plates, elles sont un petit peu ondulées. Bah, ça m'a fait ça sur tous les ouvrages en fait qui étaient au-dessus, hein, qui étaient au-dessus des piles, et les ouvrages, après les ouvrages d'exposition, comme je dis, ceux qui peuvent être touchés, etc., ça c'est pas grave. Ceux en revanche qui sont destinés à la vente, ça c'est un petit peu plus grave effectivement, parce que bah, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Un peu, ouais, sur le coup, ben, ça arrive, hein, et forcément, faut que ça tombe sur moi, de toute façon, c'est ma poisse habituelle, vous commencez à le savoir, c'est ma vie. Donc, sinon, je vais récupérer, il y avait aussi, hein, d'ailleurs, un super set de table, hein. Je le dis là, comme ça, parce que il est justement au niveau de mon classeur, et qui me sert, on va dire, à tenir absolument tout, mais franchement, très très bien. Ah, je suis en train de tout faire tomber. C'est bon, je récupère. Alors, c'est parti, j'ai récolté tout ça. Normalement, j'ai oublié personne. Si vraiment j'ai oublié quelqu'un, faut vraiment pas hésiter à me le dire et à me faire un petit coucou en commentaire. Alors, Lionel Boulet, auteur et collectionneur, hein, collection justement Bruce Lee. Oui, on va inverser l'image, comme ça justement vous pourrez justement voir. Ensuite, c'est la carte de Juliette Cazès. J'espère que vraiment je prononce bien. Autrice et chercheuse indépendante en thanatologie. Voilà justement la super petite carte. Créatrice du média Le Bizarrium. Autrice de Funèbres. Tour du monde des rites qui mènent vers l'autre monde. Conférence et vulgarisation. Recherche et consulting. Muséol. Je pense que c'est comme ça justement qu'il faut le prononcer. Elle est membre de la Société d'anthropologie de Paris. D'ailleurs oui, par rapport aux autrices, c'est pareil. Hein. Il y en a aussi qui ont un petit peu critiqué ça parce que je me présente comme autrice hybride. Je rappelle que c'est le terme historique, autrice. Voilà, c'est pas féminisé comme ça du 20e siècle ou du 21e en mode les féministes, blablabla. Non, c'est le terme historique, autrice, en fait. Après, je n'ai absolument rien contre les personnes qui se disent auteur ou auteure, ou même écrivain, écrivaine. Hein. C'était juste une petite parenthèse. Ensuite, Farah Dwibi,
auteure, illustratrice, qui habite justement à Dijon, enfin en tout cas qui peut se trouver à Dijon. Une super carte du Bizarium, une petite carte postale. Voilà, je vous la montre justement comme ça. Très très jolie, j'adore parce que tout ce qui est justement body, horreur, tout ça, enfin bref, je vais rien lire d'autre, mais voilà. Une autre carte postale, ça y est, je sais plus comment on la met, ça c'est Jérôme Sort justement, son super voisin de table, et je crois que c'est offert par la Clé d'Argent, c'est une maison d'édition, hein, là où il y a justement Impur. Je crois que c'était ça le titre, si jamais c'est pas ça, faut vraiment pas hésiter à me critiquer, à me pointer. Le petit flyer justement du bâtisseur, donc ça va avec Farah Dwibi. Ensuite, un marque-page de Gilles Martin, Les 7 Royaumes. Très très beau marque-page aussi au passage. Ah, le fameux Flyers Comptoir Thé Café de Chalon. Non mais là, quand même aussi que je vous montre et quand même aussi que j'en parle. Non, je n'ai absolument pas été payée hein, pour en parler, mais c'est rue aux Fèvres. Et clairement, ouais, il y avait pas mal de petites choses. Voilà, c'était bien. Non, franchement, très très bien et merci encore une fois à vous. Alors là, j'ai glissé un petit mot. Ah oui, j'ai glissé un petit mot. Je crois que ça, c'est ma voisine qui m'a parlé du village, donc de livres, de cuiserie. J'en avais déjà entendu parler, j'y suis jamais allée, mais en tout cas, elle m'a donné l'adresse mail. À voir peut-être. Ensuite, c'est notre voisine, donc de l'autre côté, côté justement de Mewi, Hélène Ortolan, avec son ouvrage, donc Tina, aux éditions Amalthée. Et on a eu effectivement une petite discussion parce que son ouvrage eh bien, parle d'une famille justement italienne et aussi du voyage de l'Italie jusqu'à la France. Et forcément ça a eu un écho en moi puisque je vous le rappelle, j'ai des origines italiennes en plus effectivement d'un côté et des origines arméniennes de l'autre. Et je pense que je ne vous apprendrai rien. Voilà, il y a eu un génocide en Arménie. Je vais essayer, on va dire, d'éviter de redire tout ce qui est date et tout ça. Et effectivement, ma famille a fui justement le pays et a voyagé jusqu'en France. Cette histoire, peut-être qu'un jour, je la raconterai aussi sous ma plume. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'elle m'a inspirée. L'histoire, en tout cas, d'Hélène, ma maman l'a inspirée. Ensuite, une autre petite, justement, carte de visite de Lionel Boulet, cette fois-ci, justement, avec son site. Donc, à savoir, Lionel Boulet. Wix site, alors ça s'écrit wixsite.com/auteur pour justement avoir ces informations. Ensuite, un petit livret, on ne tape pas, par rapport à l'Observatoire de la violence éducative. Ça, j'ai bien aimé, par rapport justement aux idées reçues. Ça permet de marquer les limites, bof, c'est efficace, ça prépare à la vie, ouais, se faire taper, c'est sûr, etc. En tout cas, c'est pas mal de petites choses comme quoi, parce que, au cas où, il faudrait peut-être le rappeler, on ne tape pas les enfants. Aussi, on ne tape pas d'autres personnes. Ensuite, un autre petit flyer du 4e salon BD Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba, par l'Entre des Bulles. Je ne sais plus d'ailleurs qui m'a passé justement ce flyers, mais en tout cas, il est très très beau, il est très très sympa. Si jamais vous êtes 18 et 19 novembre à Chalon, eh bien n'hésitez pas à aller au salon de la BD. Bien sûr, j'ai récupéré un flyers de l'association Toujours Femmes. C'était un petit peu, je vais pas dire une obligation, parce que j'aime pas mon obligation, ça peut être effectivement mal vu. Pour moi, on va dire que c'était quelque chose d'important. Bon, voilà. Je ne dirais rien d'autre, mais dans ma famille, il y a des personnes effectivement qui ont subi certains cancers, qui en sont mortes. Donc voilà, ça me touche. En plus, j'ai été bénévole dans des associations, donc je connais. Ensuite, et un petit, c'est pas un flyers, mais c'est un marque-page, mais c'est un petit peu long, on va dire, sur un long marque-page, de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône. Parce que je vous rappelle quand même, Chalon-sur-Saône, c'est là où il y a Lycée Fornieps. Très très bien d'ailleurs, très très sympa. Et il y a aussi un escape game sur l'histoire de Lycée Fornieps que j'ai fait, et qui est vraiment très cool. Un marque-page, Gérard Joblot pour les photographies, le texte de Lia Kurt. Il est justement un petit peu cartonné. Alors ça, je crois que c'était pour... je me demande si c'était pas pour les ouvrages un petit peu des photos qu'on a vu passer dans le vlog. Il faudrait que je regarde hein, quand même sur internet. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, effectivement. Ça fait vraiment penser, on va dire, un petit peu aux ouvrages anciens. Flyers de l'Université pour tous de Bourgogne avec l'histoire industrielle aussi de Chalon. Parce qu'effectivement, là, il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal de choses. C'est pas... Chalon, c'est quand même une ville où il s'est passé pas mal de trucs. Tiens, j'ai une autre carte de visite qui devait aller avec le marque-page de Gilles Martin, auteur. Gilles avec un S, un Martin, auteur, @gmail.com, si jamais. Aventure, action, fantaisie et médiévale.
Ensuite, alors dans les derniers marque-pages que j'ai celui de Lola Piffero, auteur, parce qu'elle justement l'a choisi avec le E. L'écriture, c'est le bruit chamboulant des mots criés en silence. J'aime beaucoup effectivement sa citation. Je vous montre son marque-page et ne vous inquiétez pas, hein, comme d'habitude, vous pouvez justement retrouver ses auteurs, ses autrices et ses auteurs sur les réseaux sociaux, bah, quand justement sur leur carte ou sur leur marque-page, il y a les informations. Et son ouvrage, c'est La Déliquescence, son premier roman aux éditions Le Lys Bleu. En tout cas, ça donne envie. Je pense que, par exemple, pour ma sœur, je lui en ai parlé parce que c'est, on va dire, l'histoire et l'intrigue, je pense que ça peut intéresser ma sœur. Ah, puis finalement, j'ai un marque-page donc de Jérôme Sort, L'Entité, Première Vie aux éditions Vérone. C'est ça, justement, où avec le... J'avais bien aimé justement l'illustration. Bien sûr, un super livret de Guy Chrétien, auteur-conteur. Il écrit des romans fantasy, des aventures extraordinaires au cœur du petit peuple dans le mystère des forêts profondes. Alors, il y a pas mal d'ouvrages, hein. il y en a beaucoup. Il y a Un petit bout de mousse, Résurgence dans les couloirs du temps, Aux sources d'Elfiri, Zéliane, Le trésor de Yaline, Les contes de Guillu. Et c'est justement, je me souviens bien, oui voilà, il m'avait dit, hein, c'est donc de l'auto-édition via Lulu et Cool Libri. Alors, ça aussi, j'espère que ce ne sera pas forcément mal pris, mais quand on dit mes éditeurs à contacter, attention, Lulu Édition et Cool Libri Édition, ce ne sont pas des éditeurs, parce que c'est de l'auto-édition en fait. Donc ça peut, on va dire, ça peut un petit peu porter à confusion. Vous pouvez vous auto-éditer effectivement via Lulu, vous pouvez imprimer vos ouvrages aussi via Cool Libri, etc. Mais ce ne sont pas des éditeurs à proprement parler. Et voilà, après, hein, c'est sûr, hein, c'est pas méchant, mais des fois la formulation en fait peut induire en erreur certaines personnes. Et bah, je termine, alors c'est le dernier que j'ai, c'est justement un Flyers de Juliette. Il y a aussi donc Hugo Blanchet, illustration de Céan Argun. Ariane, je suis vraiment désolée pour les noms, j'ai beaucoup de mal avec les noms. Abécédaire illustré des mots de la fin, qui sortira en mars 2024. Et en octobre 2023, j'aurais peut-être dû commencer par là, puisqu'on est en octobre quand même 2023, quand cette vidéo va sortir, on sera plus proche d'octobre. Cabinet de curiosités insolites, médicales et macabres, avec une préface de Maxime Chatham aux éditions Dunaud. Un jour, je saurais prononcer effectivement des mots, un jour je saurais parler français, un jour peut-être. Bref, voilà justement pour ce vlog, pour ce retour presque à chaud, même si c'est pas forcément totalement à chaud, de ce salon Le Cloître aux Livres. Il y a eu quelques articles effectivement de journaux. Non, on me voit pas, enfin des fois on peut voir mon stand. À un moment, il y a quand même une photo de... justement du stand, ça m'a fait quand même un petit peu plaisir parce que voilà, de toute façon je pense que je suis pas assez intéressante pour les journalistes, c'est pas grave, mais c'est vrai que même ma voisine, je suis extrêmement fière d'elle quand justement elle montre tous les articles et toutes les interviews justement qui parlent d'elle et de son ouvrage Robot Touristique, si je le prononce encore une fois bien, qui est sorti. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Peut-être qu'un jour, j'aurai mon article justement dans le journal avec ma tête, avec celle de Léo aussi, puisqu'il illustre quand même tous mes livres, faut pas l'oublier. Mais pour l'instant, non, les gens effectivement passent et je suis peut-être un petit peu trop excentrique, ils se disent peut-être que c'est pas très sérieux ce qui se passe, alors que, bah si. Hein, j'espère. C'est pas grave. On verra justement comment ça se passe à Pusignan. On verra aussi s'il y a pas mal de monde. Je pense qu'il y en aura de toute façon un petit peu plus qu'au cloître, parce qu'au cloître, il n'y avait pas grand monde. Enfin, j'en ai pas croisé beaucoup, en fait. Hein. Devant moi, des fois, c'est... Voilà. J'ai pas forcément les chiffres, mais c'était un petit peu trop calme à mon goût. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, sachant que c'est moi qui l'ai montée. Alors oui, il y a pas mal de défauts, il y a peut-être pas mal d'erreurs. J'essaye et je remercie d'ailleurs beaucoup Léo de m'avoir un petit peu laissé faire ma petite patte. Non, je ne vais pas lui piquer non plus son travail, mais j'aimerais bien me mettre un petit peu aussi au montage, j'ai pas forcément non plus le temps. Mais voilà, pour qu'un jour je puisse faire de magnifiques books trailers. Et on va dire peut-être aussi pour communiquer beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Sur ce, n'oubliez pas de checker justement la liste des auteurs et des autrices dans la description, ainsi justement que les liens pour les retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine, et bien normalement pour le vlog de Pusignan, si on a le temps, et bien sinon aussi pour une autre petite vidéo. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, ça nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.